Ce film est un plan séquence de 20 minutes qui montre un face-à-face entre un pitbull et une caméra vidéo. Alex Hahnemann filme une tension concrète où l'équilibre de la situation dominant-dominé va être rompu sur la durée. Le chien était très très agressif d'abord. Son agression est venue vers moi et mon caméra a eu la direction sur lui et est resté sur lui et ça lui a beaucoup irrité. Et cette irritation est toujours venue un peu plus grand. Il était comme bloqué un peu. Et à la fin, son maître lui a pris sur les mains comme un bébé et lui a porté à l'autre côté de la rue et à la maison. Dans son deuxième film, Ivici, l'artiste traite de la fragilité de l'harmonie, le moment où une situation bascule du mauvais côté et où le pire peut arriver. Ça, c'était une situation que j'ai trouvée dans la réalité au sud de l'Italie. Là, il y a eu beaucoup de vent et le maire a fait des grandes vagues. Et les enfants ont eu beaucoup de choix. Ils ont joué avec les vagues. Et tout à coup, une immense vague est venue et est allée sur cette terrasse de ce restaurant-là. Et tout à coup, la situation est tombée à l'horreur et tout le monde a eu panique. Alex Hahnemann met en évidence dans un espace-temps la fragilité des événements et des choses qui nous entourent. Il n'empêche qu'à la fin des projections, on garde en soi comme un sentiment d'embarras, de désarroi.